vraiment heureux et comblé de répondre à cette invitation de la Fédération Royale Marocaine de Basket, parce que quand on vient comme ça, qu'on est quelqu'un de passionné et qu'on trouve autour de soi la même passion, quand on voit dans les yeux des gens qui sont face à vous, des yeux qui brillent, ils brillent de plaisir, de bonheur, de recevoir de l'information, d'échanger. Pour moi, c'est égoïstement, c'est un réel bonheur. Alors certes, j'ai eu la chance de connaître le haut niveau, d'avoir entraîné l'équipe de France, des clubs de première division en France, d'être encore un passionné de la technique, mais pouvoir l'offrir en cadeau à des gens qui le reçoivent avec une telle passion, c'est un vrai bonheur. Et j'en suis heureux et comblé, et je remercie la Fédération Royale Marocaine de m'avoir invité à ce clinique. Avec plaisir. Lorsqu'on vient dans des stages comme ça, on a toujours peur de, comme on dit, taper au-dessus. Ça veut dire donner des informations qui sont au-dessus de ce qu'attendent les gens. Maintenant, je dis toujours, moi, mon job, c'est de donner un maximum de connaissances, et le job de celui qui le reçoit, c'est de faire le tri pour savoir si c'est bon pour son équipe ou si c'est peut-être au-dessus de son équipe. Moi, j'ai vu des gens complètement ouverts, passionnés, avec des questions très intéressantes qui vont chercher à savoir si c'est bon pour leurs équipes ou s'il faut le garder le jour où l'équipe progressera. Si j'ai donné 10-20% de valeur ajoutée à ce qu'ils connaissaient, c'est déjà énorme et c'est déjà une belle réussite. En fait, à la Direction Technique Nationale de la Fédération de Basket, on est très honoré et très content et très chanceux d'avoir pu compter sur la présence d'un des plus grands entraîneurs européens, un illustre entraîneur français, Claude Bergeot, avec un palmarès qui parle lui-même, plusieurs fois champion pro A. Il a été aussi, donc, pendant de nombreuses années, entraîneur de l'équipe nationale de France. Et c'est vraiment une richesse, une petite encyclopédie vivante. Nous, on est, comme je disais, très contents de l'avoir. Et pendant ces deux jours, on a un petit peu partagé avec lui toutes ses connaissances. Il a été très généreux. Il a vraiment apporté les dernières techniques, en tout cas aussi bien individuelles, qu'ils sont en train de mettre en place maintenant à la Fédération française. Il les a partagées avec les entraîneurs marocains. Et ça, on le remercie de tout cœur. Et j'espère que tous les entraîneurs marocains en profiteront. À la Direction Technique Nationale de la Fédération, on va essayer de multiplier ce genre d'échanges, multiplier ce genre de débats avec beaucoup d'entraîneurs. Maintenant que nous avons des collaborations de partenariat avec la Fédération Française et la Fédération Espagnole, on va développer beaucoup, Inch'Allah, ce genre de stages, ce genre d'échanges. Et j'espère que l'entraîneur pourra en profiter pour, à sa manière et à son tour, amener cette valeur ajoutée aux joueurs marocains pour qu'ils puissent progresser techniquement et tactiquement. بسم الله الرحمن الرحيم هو ككل سنة تعودنا على هاد اللقاءات ما بين اللقاء ما بين المدربين كافتتاح الموسم الرياضي الجديد وبطبيعة الحال كتكون استفادة لأن في كل موسم الإدارة التقنية والجامعة الملكية المغربية كيكون الحضور ديال مدربين كبار بحال هاد السنة هذه كاين المدرب السابق المنتخب الفرنسي كلود بيرغو بطبيعة الحال كيجيب الجديد للمدربين والمهم من هذا الشيء بالنسبة لنا حنا هو واحد اللقاء تواصلي ما بين المدربين اللي حيت كنشوفوا المدربين من مناطق بعيدة في المغرب من طنطان الصويرة وجدة بركان يعني مدربين كبار اللي كيجيو وهذا كله غادي يعود واحد النفع كبير على كرة السلة الوطنية وتنتبادلوا الآراء ما بين المدربين هناك تبادل الآراء ما بين المدربين ونتمنوا هاد اللقاءات تعاود مرات كثيرة ومرات بزاف علاش لأن يمكن إلا ما كانش بحال هاد اللقاءات هكا اللي كتنظمهم الإدارة التقنية والجامعة الملكية المغربية يمكن ما يكونش تواصل ما بين المدربين وشكرا للإدارة التقنية والجامعة الملكية المغربية. Alors, في الأول نحب نقول اللي هذه المبادرة ديال لا فيدراسيون ماروكان زوينة بزاف باهية علاش باش المدربين كيتلاقاو مع بعضهم ويبدلوا الآراء. بالنسبة لهذه الملتقى ملتقى مهم جدا ورغم اللي كاين الحاجات اللي واحد يعرفها مي كاين لي رافريشيسمون ديال لي كونيسونس وكاين حاجات اللي استفدنا منها هو لي ديتاي كاين واحد لي ديتاي اللي يفيدوا
بزاف لي زيكزارسيس يكونوا عارفينهم، مي كاين واحد لي ديتاي مهمين بزاف اللي يربحوك في الوقت في لونترينمون، وكاين يربحوك في لي ماتش اللي ممكن واحد يغفل عليهم. دونك ملتقيات بحال هذه ومع استاذ بحال كلود بيرجو اللي هو عنده الخبره الكبيره مع المنتخب الفرنسي والفيدراسيون الفرنسيز، دونك حنا بدنا للفيدراسيون ماروكان ديرها مرات اخرين والافاده كما قلت اون ديفينيتيف كبيره كبيره بزاف، وواحد كما حنقولوا عندنا صغير يتعلم وكبير يتعلم.